Non, Isa. Je ne respire pas. Un carré de chocolat m'attendait, j'avais trop envie. Donc fallait que j'aille vite. Et les gens, bienvenue sur frappestjeux.fr ou sur mon blog 103.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo sur Bioshock Remastered sur PC. Donc c'est parti pour un tour. Pardon, continue. Et le sous-marin est décédé. Il n'a pas coulé, hein, mais il est décédé. Quoique s'il a coulé. Mais attendez. Mais il allait partir par où le sous-marin là parce que c'est pas profond du tout. Bizarre. Allez, c'est parti. L'Irlandais obèse m'a proposé un marché. Je leur balance Fontaine et je peux me tirer d'ici. C'est pas compliqué. Mais comment savoir si ce gros lard n'est pas avec Fontaine? Ils sont peut-être tous avec lui. Fontaine a de la dent et tout le monde en veut. Ryan est un beau parleur sapé comme un prince. Même ici, un idiot peut voir de quel côté le vent souffle. Améliorez vos armes sur les postes d'amélioration. Ah là, sauvegarde en cours, veuillez ne pas éteindre l'ordinateur. Salut Mister Togo, comment vas-tu? Il y en a qui ont pris l'habitude de préciser quand ils débarquent, comme ça au moins. Moira, Patrick, c'est encore un coup de Ryan. Il attend que nous soyons presque sortis pour nous tendre un piège. On va le trouver, le salopard. On va le trouver, on va lui arracher le cœur. Je suis venu ici bâtir l'impossible. Vous êtes venu voler ce que vous êtes incapable de construire. Tel un barbare en admiration devant les portes de Rome. Même l'air que vous respirez est débité de mon corps. Alors, respirez profondément pour vous souvenir plus tard de son goût. Il y a deux petites sœurs et pas de truc. Ça y est, nous sommes arrivés au cimetière en Arcadia. Sur un vide tube de cuivre. Allez à la station de métro. Azote liquide. Je me dis que s'il nous donne tout ça, c'est qu'il y a forcément une raison. Qu'est-ce que c'est que tous ces objets? Bonjour madame! Ils avaient même pensé à tout, ils avaient mis un cimetière carrément. C'est quand même bien place. Quel est ce revirement sur Bioshock? C'est-à-dire, quelle est ta question? J'avoue que je ne la comprends pas là tout de suite. Tu demandes pourquoi je suis revenu sur Bioshock ou c'est un revirement de situation par rapport à autre chose? Les chevrotines. Y'a quelqu'un? Ah, c'est ceux qui se téléportent, ça. C'est ça, monsieur sera invisible ou se téléporte, mais crois-moi, je t'aurai en photo quand même. Des sons. Je vois des gens qui sont pas. Si j'étais juste invisible, on le verrait. On le verrait. On saura après où il est. Il y a un monsieur qui m'a appelé à l'aide, mais je sais pas si c'est un méchant ou un gentil. Et jusqu'à où, juste au cas où le Gugus là il m'apparaît sous les yeux, je suis prêt à prendre une photo.
Tu veux pas, non? C'est toi que je veux, viens ici. Je crois que je suis en train d'avancer à la quête principale, en fait. Ouh, jeté en photo. Crozum Houdini. Le Crozum Houdini est vulnérable aux munitions antipersonnelles. Mais t'en vas pas. Voilà. Ça, c'est fait. Ça je prends aussi, merci. Aujourd'hui, l'Arcadie n'était ouverte qu'aux clients payants. Ce type m'engage pour planter une forêt au fond de l'océan et il fait d'une promenade dans les bois un produit de luxe. Ryan m'a dit, un fermier ne doit-il pas être libre de vendre sa nourriture? Un potier n'a-t-il pas le droit de vivre de ses poteries? J'ai essayé de discuter avec lui, mais je sais qui signe mes chèques. La seule chose qui sortit à un hypocrite, c'est un hypocrite de chômage. Tu vas crever! Bon, je récupère et je suis là. Mais non, mais pas ça. Chaque fois, je me gourde dans mes touches. Depuis qu'ils ont changé les infos. Je vais pas revenir. Je crois que je vais redescendre. Ça m'embête un peu d'avoir dans la tête le fait que je puisse avoir oublié quelque chose. Bah, je me suis mis que hier soir, je crois, sur le Bioshock. Bon, on a commencé quand d'ailleurs celui-ci? Le choc, on l'a commencé hier soir. Donc, attendez. Oh. Bien le bonjour, toi. Tout ça pour des gâteaux et du café, quoi. Cet homme est mort pour des gâteaux et du café. T'es pas morte? Non mais oh. Donc comme je dis, je vais aller voir par là. Parce qu'en fait, il y a d'autres entrées par ici. Et j'avoue que je ne sais pas trop où ça nous amène. C'est un effet secondaire des plasmides. Les souvenirs d'un crétin sont transmis à un autre par la manipulation génétique. Des fuites, des cinglés, une rébellion, et maintenant des fantômes. La vie n'est-elle pas formidable à Rapture? Bonne nuit, Seg. Fais de beaux rêves, prends soin de toi. Merci beaucoup d'être passé. Bon courage pour demain, et puis à la prochaine. Encore merci. Et bonne nuit aussi à Rochiane, alors si elle s'en va. Bonne nuit à toi. Idem, fais de beaux rêves, prends soin de toi. Et à la prochaine, encore merci d'être passé. Et d'avoir participé. Et aussi Aria, bah décidément, on partait tous à la même. En même temps, il est 23h30 presque. Donc bonne nuit à toi aussi. Et puis bon courage pour demain, fais de beaux rêves. Bonsoir à toi, Mafia Dark et Karma. J'espère que vous allez bien. Bah, c'est l'heure pour ceux qui bossent le lendemain. Ok. Ah, j'ai une sacrée nuit qui m'attend. Tout est prêt. Les fleurs, la bouteille de vin. J'ai même deux billets pour la closerie d'étayer. Je connais rien de mieux que la nuit d'Arcadie pour les mettre dans l'ambiance. Ah, je n'ai plus qu'à passer chez Eco-Soin prendre une trousse de soins par sécurité.
Il paraît que ce n'est pas la première fois qu'Angelina visite la closerie d'Étayer. La procédure d'augmentation est un succès. Les limaces n'ont pas fourni assez d'adams pour une utilisation à grande échelle. Mais en les combinant avec l'hôte, nous avons obtenu un résultat. La limace est incrustée dans la paroi de l'estomac et se nourrit des aliments ingérés par l'hôte. Nous pouvons ainsi obtenir 20 à 30 fois plus d'adams utilisables. Le problème, c'est que nous manquons d'hôtes. Fontaine me dit « Patience, Tenenbaum !» Bientôt, le premier refuge pour petite sœur sera ouvert et le problème sera résolu. Eh bien. Pourquoi Urtica ? Pour regarder le stream avant de dodo. Bon, ça fait plaisir, merci. Bon, avançons maintenant qu'on sait que de toute façon c'est pas. Oh, je vais peut-être faire. Plus faire péter. Attendre que ça aille mieux. Moi, je suis un gagnant. Un putain de gagnant. Non. Vous êtes malade. Vous êtes infecté. Voilà. C'est ça que je voulais faire, merci. Voilà, que ça nous laisse un petit peu de temps pour aller découvrir l'environnement jusqu'à là-bas. Parfait, on a ce qu'il nous faut. Toc. 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 Normalement, là, on est bon. C'est ton territoire, aïe. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui me tire dessus, là, en fait? Quelqu'un ou quelque chose est en train de me tirer dessus. Mais... Est-ce que c'est un gros homme armé ou pas du tout? Gros homme, grosse brute. Alors, c'est la même. Alors, dégâts plus, gros homme, grosse brute, antipersonnel et la chaleur. Tiens, attends, je vais donner. Attends, faut que je donne chaud là-bas. Efficace! Je sais pas trop, est-ce que je peux voir les recherches de ce genre de choses? Moi aussi, je peux faire. Alors, attends. Je suis arrivé par cette porte là, celle-ci. Batterie, 806. Je sais pas du tout à quoi sert ce machin. Comme si on pouvait faire du craft dans le jeu, c'est bizarre. On va essayer d'aller un peu comme ça parce que. Non, c'est pas toi, c'est pas toi. J'ai la flemme, bonjour. Bienvenue à la farandole des prix. Je sais pas à quoi sert toutes ces choses en fait. Tu as tenté les 3 biochocs en difficile? C'est pas une mauvaise idée. En espérant que t'arriveras à t'en sortir correctement. Comme quoi il faut vraiment, vraiment fouiller le décor à fond tout le temps. Jamais s'arrêter de fouiller. Mais ça je l'avais déjà dit. Waouh. Si tu le dis, elle a... Allez, faites-vous battre, ok? Oh, je t'ai fait... Chérie, donne-moi quelques médicaments, tout de suite! Ça sert à rien de vous cacher, mauviette. Merci, monsieur. Je sais pas si je peux désactiver ce truc autrement. C'est un gros homme, grosse brute, j'aurais peut-être mieux fait de le. De le faire griller autrement. Hop.
Azote liquide encore une fois. J'ignore totalement à quoi sert ce machin. Mais si, moi je veux que ça passe. Voilà. Personne qui flotte dans l'eau? Non, c'est bon. Bon, je crois que j'étais déjà plus ou moins passé par là. Là, on était allé voir RN+, donc il faut que je descende quoi qu'il arrive maintenant. Me voilà en bas. Donc toi, je t'avais tué. Ici, qu'avons-nous? De l'engrais, un cadavre. Avec une seringue vide. Des chevrotines, mais comme j'ai pas assez utilisé le fusil à pompe, j'en ai pas besoin. Ok, on l'a tout vu, on va partir par là du coup. C'est pas plus loin, il y a tout qui s'est cassé la figure. Il est à nous. Bonjour. Bah, sûrement on va atterrir quelqu'un, mais... Ça je prends, merci, on va aller voir ce qu'il y a au bout là-bas. Ça c'est un son intéressant. Moi que c'est un A. Yes. Vous ne valez rien. Je pense pas qu'ils craignent le feu. Il y en a dans tous les sens ici. C'est chaud quand même là. J'ai oublié. Enfin, coucou Adrien. Ça va toujours? T'as eu du mal à finir Doom 2016 en cauchemar, mais après moult orages et un jour en allemand, j'ai vaincu ce boss final de Shenzhen. J'avoue que je sais même plus. Je crois que je l'ai fini en facile en fait, donc je peux rien dire à ce niveau-là. Et je sais qu'il y a des passages où j'avais un peu galéré quand même. J'en ai pas spécialement le souvenir, mais bon. On va trouver dans Fallout 4 avec une pièce condamnée et plein de loot dedans. Ça c'est pris. Toujours penser à recharger les armes. Il y a une petite sœur avec lui, donc ça pourrait être intéressant de l'affronter. Mais lâchez-moi! On va s'en prendre des machins comme ça si possible. Et mince. Et remince. Peut-être que je parte dans le bon sens, non? Et le petit dernier qui est ici. C'est bon. Là, on fait pareil. Et j'ai fait la même bêtise, mais c'est pas grave. On peut y arriver quand même. Hop, 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 et hop. Terminé.
On est bon. Ah non, mais ils sont bons après. Tu m'excuseras. Attends, toi, tranquille, tranquille, couché, couché. Mais c'est que tu fais mal en plus. On se calme. Attends, je recharge. C'est bon. Parce qu'il est mort. Bonjour, non, petite sœur. Sympa, monsieur, se met bien. Tu as apporté la lumière dans les ténèbres. Tu as sauvé les petites sœurs quand tu aurais pu déchaîner ta cruauté. Je t'envoie quelque chose en guise de remerciement. J'ai trop d'argent. Je peux plus rien ramasser. Y'a trop de sous. Aïe. De tout notre cœur. Merci beaucoup, madame. Et en plus, il me donne des trucs pour... Faut faire dodo, petit ange. Tu veux que je t'aille à dormir? C'est le Nardio. Alors, oui, on va voir ça. Et bah voilà, c'est ce genre de choses qu'il me faut, moi. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Les claquons de sous là-dedans. De combat. Amélioration de santé, rage, le reste j'ai toujours pas acheté, piège à vortex. Calorifère, il y a tellement de choses à acheter. J'ai encore 200. Implorez l'aide d'un protecteur. Faites-lui croire. On connaît, merci. Et on va continuer là-dessus. Il nous reste que 100 au final. J'avoue, je sais pas trop quoi prendre. Ça va bien, Lardio. Je te remercie de t'inquiéter. Enfin, t'inquiéter, de me poser la question. Alors, mon taux de santé, hein. Je sais plus où j'en suis pour les fortifiants de combat et autres. Et je n'ai plus assez de ressources. Donc, il y en a, on n'a chopé qu'une seule petite sœur. Qui est d'ailleurs la deuxième, apparemment. Il me reste que 20 en Adam. Faudra que je regarde s'il y a d'autres éléments que je peux éventuellement accomplir. Ok, donc on est dans un endroit où on était monté. Et au niveau de la carte, parce que c'est bien beau tout ça, mais on est où? L'objectif est bien plus loin, il y a des tas de salles qu'on n'a pas visitées ici. Voilà, là il y a une salle à gauche. Que je n'ai pas visitée, qui mène sûrement à la suite. Ah donc il mène à une autre salle ici, d'accord. A droite non plus, on n'a pas visité, mais on peut y rentrer par ici. Là, on a un truc d'ADN. Peut-être essayer d'y passer. Un truc de vente ici. Portefeuille déjà plein, mais ça c'est de l'abus aussi. Ah, ça c'est là d'où je venais, d'accord. J'ai eu peur.
inventer objet. Ouais, sympa ça. Donc il y a un système de craft sur le jeu. Chose que j'avais mais totalement zappé. Waouh. Et j'ai plus de munitions de pistolet. D'habitude j'en ai toujours trop et là j'ai quasiment plus rien. Pas bon du tout. Attends, quelqu'un qui soit au-dessus, soit en dessous de nous. Pas grave, donc ça c'est fait, ça c'est vu. Quelque chose à tirer, mais je sais pas trop d'où. Pas grave. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Quand vous parvenez à pirater un système, vous gagnez des... Est-ce que j'ai autre chose? J'ai le truc de rat. Quand vous fouillez des conteneurs ou des corps, vous pouvez effectuer une nouvelle fouille pour trouver d'autres objets. Chose que vous n'auriez pas vu pour voir s'il est invisible. Ok, on va mettre ça, ça peut être pratique. Ensuite. Réduit la durée des alarmes des caméras. J'ai quoi d'autre? J'ai perceur de coffre, réducteur d'alarme. Et pirate concentré. C'est vrai, rien. Rédacteur d'alarme, on va mettre ça. Pourquoi pas? On verra bien. Et enfin, pour la santé, est-ce qu'on a des choses plus intéressantes ou pas? Non, je n'ai pas ramassé d'autres pour le moment. J'avais l'impression d'avoir eu beaucoup plus en fait. Je sais pas pourquoi. Waouh! C'est bon, ça n'a réveillé personne. Tree Farms. Ça va où ça? Arcadia Glen. Donc on va voyager un petit peu en arrière encore une fois. Il y a des choses à voir par ici aussi. Allons voir par là déjà. Première porte par ici. Bonjour. J'entends des gens qui rigolent. C'est grave, docteur. Bonjour. Je te prends ça, merci. Non mais je veux juste récupérer le... Non. Voilà. Bonjour monsieur. Désolé de s'être entre éliminé. Il y a eu des pressions considérables pour la régulation du marché des plasmides. Il y a eu des effets secondaires. Et des manches morts. Mais à quoi bon défendre notre idéologie si elle n'est pas mise à l'épreuve? Le marché n'est pas comme un enfant qui pleure au moindre signe de mécontentement. Le marché est patient. Nous devons l'être aussi. Il y a combien là qui me sort dessus? Là. On va faire le plein ici. Toc 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 toc. Ensuite, pomme, 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 non comme ça, pomme, pomme là, pomme ici, et hop là. Ah, désormais tu es à moi. Non mais, piraté. J'ai bien cru que je pourrais pas le faire. Par contre, je préférais qu'ils mettent des petits trucs à pirater parce que là, c'est un peu long. À chaque fois. Et hop là. Et je me fais encore une fois tirer dessus par mes propres sentries.
Vous remarquerez donc l'efficacité de ce type de matériel. En même temps, c'est ma faute, je montrerai les sa cible, donc faut pas que je m'en plaigne, que je me plaigne du résultat. On se calme les filles, on met où? Lui il est mort. Ça je le laisse tranquille, je repasserai plus tard. Le distributeur ici est cassé, ça. Bonjour, je rentre. Encore un chat mort, décidément c'est triste. Les choses ont changé depuis que j'ai quitté le bureau du docteur Steinman. Je ne reconnais presque plus Rapture. On dit qu'ils ont même rassemblé les gens sur la place Apollon. J'ai demandé à Ryan comment il pouvait faire de telles choses à des innocents. Il m'a répondu... Des innocents. Ils n'ont pas choisi de défendre Rapture, mais ont préféré s'acoquiner avec Atlas et ses bandits. Ce ne sont pas des innocents. Il y a les héros, et il y a les criminels. Ça par contre, je m'en souvenais pas. Vous avez vu ce qu'elle vient... Enfin, entendu plutôt? Écoutez. D'habitude, on parle de Fontaine, et là, elle vient bien de dire Atlas. Oui, oui, je suis au courant pour le bouclage. C'est absurde. Une petite minute. Les premiers tests du vecteur Lazare sont très prometteurs. Si ces roses fleurissent, je sais que nous tiendrons le bon bout. Dépêchez-vous, le bouclage! Comment? Pas encore, Albator. Très bien, je m'en vais. Mais il faut que quelqu'un revienne pour examiner ces échantillons. C'est très important. Grégory, ne venez plus pleurnicher au sujet des forces du marché. Et ne vous attendez pas à ce que je punisse les habitants qui font preuve d'initiative. Si les agissements de Fontaine vous déplaisent, je vous conseille de trouver un moyen de proposer un meilleur produit. Les bandits d'Atlas. Les bandits d'Atlas, c'est Atlas qu'on cause. Hein. Atlas. Donc Atlas ne serait pas aussi gentil que ce qu'il veut bien nous dire. Normalement, on n'est pas censé le savoir à ce stade-là du jeu. Isa. Mais j'ai trop de sous. Bon, ça sert à rien. On revient sur nos pas. En fait, ce qui complique les choses dans ce genre de jeu, c'est surtout les rechargements. Quand on est très lent, c'est pas pratique. Alors, voyons voir. Non. Bonjour les câbles. Alors, en fait, faut tirer du bon côté pour que ça fonctionne, d'accord. Et j'ai plus que 3 balles de pistolet, faut que j'arrête de jouer avec ça, quoi. C'est pas malin de ma part. Bon, tout ça j'ai vu, on ressort, on retombe ici. D'ailleurs, est-ce que je peux passer par là pour aller voir la suite? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de descendre ici. Ah, il est tout seul. Réfléchissons. Une grotte de la cascade. J'ai acheté une forêt à la surface. Les parasites ont déclaré que c'était le pays de Dieu et que je devais ouvrir un jardin public. Pourquoi? Pour que la ville multitude puisse souiller. Salut Nico. Admiration stupide la canopée. Comment vas-tu? Figurer l'espace d'un instant, être en paradis. Quand le Congrès a nationalisé ma forêt, je l'ai réduite en cendres. Ce n'est pas Dieu qui a planté les graines d'Arcadie. C'est moi. Mais je suis pas d'accord avec ça non plus, hein.
Alors apparemment c'est bien par là qu'... Ah non, il faut que je fasse demi-tour, donc c'est pas par là. Nickel. Elle est de dos, ça va pas être joli. Ah bah si, ah quand même. C'est impressionnant quand même l'intelligence artificielle qui saute à l'eau pour... Ok, donc en fait, c'est fait exprès. Je croyais que c'était une erreur de leur part, mais c'est fait exprès. Bah écoute, ça va bien. Fatigué, mais ça va. Il y a toujours à explorer dans BioShock. Toujours, toujours. Et c'est ça qui est cool. Aussi dans le jeu-là. C'est qu'on a de quoi se faire plaisir. J'ai trop de munitions, j'ai trop de... Ah, le plus que cette zone était si grande par contre. C'est bizarre. M'excusez, je vais prendre des photos. Oh! Si on se téléporte pas, ils sont invisibles. Ouh! On dirait qu'il est en train de swinguer, regardez-moi ça. Ou presque. Crozum, grosse brute, progrès, recherche, voilà. En se sentant troublé et incertain, il vaut mieux avoir l'avantage de la vitesse. N'oubliez pas, il faut toujours courir plus vite que les Crozum ou que votre voisin. Va taper! Un peu. Bizarre ça. Ça je prends, merci. Les travailleuses aussi je prends. Toi aussi je prends ce que tu as sur toi, merci. Ça, ça m'intéresse pas. À moins que je puisse faire des balles de pistolet avec. Ils sont pas... Non, je sais pas. Donc, non, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je rate quand même quelque chose au cas où? Non, je ne vois rien sur les hauteurs non plus. Parfait. Aidez-moi. Yes. Alors, besoin de calme et tranquillité, injectez-vous le camouflage organique, ne bougez plus et vous disparaîtrez. N'oubliez pas, les apparences sont trompeuses. Bien sûr, il manque de la place. Sportive, liaison Eve. Je sais pas trop comment j'ai pu le tuer. Mais faut que je claque des sous là. Mais j'ai trop d'argent, justement. C'est bien ça le souci. Si tu le dis, bonhomme. Je kiffe un passage par là. Pas une mauvaise idée, ça, Vertica. Coucou Kyo. Une cargaison de chocolat, non, mais ça va aller. C'est juste que je dors pas très bien en ce moment. Mais comme j'aime pas dire ah tout va bien alors que bah je suis fatigué, bah je dis que je suis fatigué, mais ça va. Non mais ça va pas la tête, tirons des roquettes sur les gens comme ça. Ce manque total de respect. Est-ce que je leur tire dessus moi non?
Toc. 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 Là, il m'en faut un qui tourne dans l'autre sens. Là. Et voilà. À moi. Oh oh oh. Ma foi, c'est plutôt efficace. J'aime bien. Une chocolatine au Toblerone, ça me tente pas tant que ça en fait. Y'a un truc par là. Ou pas? Serait-ce un mur invisible dégueulasse? Oh, c'est ça, je suis tristesse. C'était tellement bien parti pourtant. Cadavre qu'on ne voit pas ici. Comment il planque tout, quoi. L'exploration est votre meilleur ami par ici. Là, j'ai tout vu plus ou moins, sauf ce qu'il y avait ici. Là, un escalier qui mène plus loin. On va donc aller visiter par là quand même. Avant. Là qu'il fallait que j'aille. Si là il est censé y avoir une porte, mais apparemment on peut pas y aller comme ça. Donc il faudrait que je monte un peu plus loin avant. À moins qu'il fallait vraiment que je fasse brûler le décor. Comment suis-je censé passer par ici du coup? Encore un peu plus loin par là-bas. Il y a bien un espace ici qu'on pourrait atteindre. La question c'est comment. Il n'y a pas d'autre moyen de passer par là. Peut-être par en dessous. Non plus. Pas trop bon ça. Ouais, il me manque toujours une culture. Hé ! Les fameux signes. Je n'arrivais pas à savoir ce que ça voulait dire. Là, c'est pareil, je ne peux pas passer. Il n'y a pas un seul élément où on peut traverser par ici? Aucun passage. Non. Alors comme... Ah! Ah, je passe à travers le décor. Salut Cossy Code Kill, comment vas-tu? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Pas ce à quoi je m'attendais, mais... Et c'est tout? Y'a pas plus d'éléments par là? Bon. C'est que c'est pas pareil non plus que si. Comme je dis, s'il y a une zone sur la carte, c'est forcément que c'est accessible quelque part. The question, c'est où? Où est-ce que je peux accéder à ça?
Moi aussi. C'est normalement que j'ai pas de nouvelles là. Rebonjour toi. Ah bah t'es accompagné. Mais si ça tombe bien, ça tu sais. Nous avons tous une faiblesse cachée, mais avec l'œil de l'expert, elle ne restera pas longtemps. Nettement, les scores des recherches attribuées pour les photos. Oh, ça, ça me plaît. Attends, je suis en train de recharger. Mal ça, attendez. On se calme, papy. Voilà, et où la petite sœur? Bonjour, petite sœur. Si, si, si. Bonne nuit, Kadozem. 20 milieux sous la mer. Quelle idée. Merci. Et ça merci, fait les cheveux, Gabu. Bonne nuit, Kadozem. Fête Borée. Merci beaucoup d'être passé. Prends soin de toi et à la prochaine. À ciao, bisous. Non, moi j'ai récupéré de la dent. J'en ai 100, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer. On va améliorer quoi? J'ai plus de soigner. Ok, donc ça on a été vu, mais je sais toujours pas comment aller là-bas. Y'a aucune entrée autre que celle-ci. Là, ça me perturbe de pas pouvoir y aller. Y'a rien par ici, on est d'accord. Hein. On va avancer dans ce cas-là. Parce qu'il y a bien un truc par là. Mais je peux pas y aller. Alors que pourtant il semblerait qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Hein. Regardez-moi ça, il y a des caisses et tout. Et quand je suis là, on voit bien qu'il y a un passage et un passage ici peut-être même. Que c'est arnaque, pourquoi il y a deux murs? Si c'est le remastered qui plante, ça va pas être joyeux. Hein. Pourquoi il y a deux murs l'un à côté de l'autre? Et je pense pas que je puisse le brûler ça. Ouais, d'accord, c'est un bug. A plus sur Tika, merci beaucoup d'être passé, amuse-toi bien. Et à la prochaine. Dès que nous sommes arrivés ici, Macha s'est mise à crier. Maman, maman, c'est quoi ça? C'est quoi? Je croyais qu'elle avait une sorte de crise et j'ai soudain compris. Les arbres. Les arbres. Elle n'en avait jamais vu. Elle les prenait pour des monstres. Oh, Samy. Nous avons peut-être eu tort de venir ici. Vous sentez là mon dégoût? Ma tristesse? Je sais qu'il y a sûrement quelque chose derrière ce truc-là. Et je ne peux point l'atteindre. On voit bien qu'il y a une zone là. Comme celle-ci. Mais impossible de savoir comment passer. C'est agaçant ça.
faudra attendre qu'on a utilisé un insecticide peut-être. Je crois qu'à un moment on utilise un truc dans le genre là. Ah. Ouais, je crois qu'il va falloir attendre de tuer les plantes. Il me semble qu'il y a un truc dans le genre là. C'est comme ça qu'il fallait faire, d'accord. Ils se vêtissent de feuilles et se font appeler les Saturniens. Ils boivent du sang humain et chantent « Maîtrisez la flamme, maîtrisez la brume !» Ils croient qu'ils sont touchés par la grâce des anciens dieux. Ce n'est qu'une bande de vieux étudiants qui prennent les plasmides pour le nectar des dieux. Solution de chlorophylle. Qui est ici, bon bah d'accord, c'était pour ça en fait que je peux pas passer à cause de la végétation. Salut Miop. Comme dans le crash. Oh putain, j'avais pas vu que j'avais pas coupé la rediffusion. Quelle quiche. Il y avait rien au pied là-bas. Non, je suis tué. J'ai dû la prendre en photo avant. Bon, je reviens un petit peu en arrière du coup pour récupérer ce qui me manquait, donc j'avais bien raison, on pouvait passer par là, il fallait juste que j'attende et que je sois un peu plus patient. Du coup on va rester là-dessus. Une très belle effigie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé coucou BG aussi. Hein, parce que je crois que je t'ai répondu du coup, mais je t'ai pas dit bonjour, je crois. J'espère que tu vas bien. Il y a cette magnifique série. Certains ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Ronron devant un gros poisson. Oui, c'est moi le beau Walter. Tudum, tudum, Giuseppe Désir. Tudum, tudum, Thomas O'Malley. Tudududududu, Thomas le chat de gouttière. Je suis un grand voyageur. Jouant la fille de l'air. Bref, du coup c'est parti, on va couper la rediffusion ici en espérant que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappesetjeux.fr. Passez une agréable fin de journée. Encore une fois, prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde. Salut!